Welkom allemaal bij de eerste reeks van de Boss 9. In de zomer van 2022 vierde GG Poker België zijn allereerste verjaardag. En uiteraard hebben we dit gevierd met een groot opgezet online pokerfestival voor alle Belgische spelers. Plus de 500 joueurs ont participé à nos différents tournois et un ranking a été établi. Les 9 meilleurs sont maintenant sélectionnés pour participer à la grande finale et tenter de remporter leur place au sein de la team GG 2023. C'est donc une compétition hors norme qui nous attend. J'ai à côté de moi Christophe De Deken, Country Manager chez GG Poker Belgium. Alors peux-tu me dire ce à quoi les candidats, mais surtout les téléspectateurs, peuvent s'attendre pour cette campagne Boss 9? Wel, in deze competitie is het natuurlijk in de eerste plaats de bedoeling dat we wat fun gaan maken met de kandidaten. En dat ze allemaal een beetje een leuke tijd beleven. Maar langs de andere kant gaan we ook zien of dat de kandidaten uit het juiste hout gesneden zijn of dat ze een beetje thuis zijn van alle markten. Et donc ils vont devoir prouver leurs compétences dans quel domaine? Wel, het spreekt voor zich dat je als kandidaat goed moet kunnen pokeren. Dat lijkt ons wel de basis, maar deel uitmaken van een pokerteam is meer dan alleen maar goed pokeren. Je moet ook wat communicatief zijn, je moet een beetje in conditie zijn om lange grinds aan te kunnen. Je moet bereid zijn om tijd vrij te maken, je moet stressbestendig zijn. Kortom, je moet eigenlijk een allrounder zijn om het GG Poker merk goed te vertegenwoordigen. Alors j'ai eu l'occasion d'apercevoir les 9 candidats et la féministe qui sommeille en moi était un petit peu déçue de n'apercevoir aucune femme. In de zomer van 2022 hebben wij een online festival georganiseerd en het is eigenlijk de top 9, dus de 9 beste spelers van dat festival die geselecteerd zijn. En toevallig waren dat 9 mannen. Uiteraard hopen wij dat de dames ook in volgende edities wel gaan doorstoten naar die top 9, dat ook zij de kans krijgen om deel te gaan uitmaken van het GG Poker Team. Et comment allez-vous faire pour partager toute cette aventure et la mettre en image? Wel, om heel deze reeks te realiseren, hebben we eigenlijk een heel professioneel team rond ons verzameld om echt alles uit de kast te halen, om een leuke montage te voorzien, om goede beelden te maken, om goed kwalitatief geluid te hebben, zodat we echt leuke afleveringen kunnen maken. En die afleveringen zullen we dan via ons YouTube-kanaal, via onze sociale media en via onze website gaan verdelen, zodat iedereen kan volgen waar dat ze willen. J'ai Sébastien Zell, j'ai 42 ans, j'ai été banquier pendant 20 ans, je suis papa d'un petit garçon qui s'appelle Maxime, qui a 7 ans et qui est magnifique, en couple avec une charmante femme qui s'appelle Sabrina, et joueur de poker depuis maintenant 25 ans. Et peux-tu me dire ce que sont tes attentes par rapport à toute cette campagne Boss 9? Déjà m'amuser avec la communauté que j'ai quand même aussi en partageant un maximum, essayer un petit peu les faire rêver, évidemment peut-être décrocher un contrat, espérer gagner évidemment, et donc voilà, c'est vraiment essayer de kiffer le moment avec tout le monde et que tout le monde en profite. Moi je m'appelle David, j'ai 30 ans, je suis originaire de la région de Mons, maintenant j'habite à Newport depuis une dizaine d'années, je suis papa de 2 petits garçons. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a convaincu de faire ton compte sur GG Poker et de participer à ces buffs? Bah, GG Poker, il y a eu pendant un très long moment une hype au fait d'une room qui sortait un petit peu de l'ordinaire, où on allait pouvoir utiliser des emotes. C'était tout de suite un peu plus fun qu'une room de poker classique. Donc c'est pour ça que j'ai créé mon compte et les boss, c'était une promotion belge qui garantissait un contrat de team professionnel. C'est quelque chose qui est dans le monde du poker plus évident que ça à recevoir de nos jours. Donc je me suis dit que je pouvais pas manquer l'opportunité en tant que joueur passionné par ce jeu. Ik ben Evert, ik ben 26 jaar, kom uit de Kempen en ik woon momenteel in Antwerpen. Ik werk nu als ruimtelijk planner. Wij werken voor alle gemeenten rond Antwerpen eigenlijk. En waarom heb je voor GG Poker gekozen? Het is toch onoverkomelijk denk ik om daar nu op te spelen. Al in de online wereld is dat toch wel de belangrijkste plek om te spelen nu. Je ziet ook langzaam dat iedereen naar daar trekt. Dus sinds dat ze eigenlijk legaal zijn in de Belgische markt ben ik eigenlijk direct gaan kijken waar het allemaal om draait daar. Dus. Ja, en dat is precies goed meegevallen. Ja, ik ben toch al in Vegas geraakt dankzij GG Poker, dus dat is toch wel heel plezant. Een grote prestatie. Ja. Wat verwacht je nog van de komende afleveringen? Ja, ik denk dat er nog heel veel spannende dingen gaan gebeuren waarvan ik niet weet wat we juist allemaal gaan doen. Ja, het is al een hele ervaring worden om mee te maken. Deze 3 eerste kandidaten zullen net zoals de andere kandidaten in de verschillende afleveringen alles uit de kast moeten proberen halen. Bij elke opdracht dat ze zullen doen, worden ze begeleid door 1 of meerdere experts. Deze experts zullen tijdens de slotshow telkens 10 punten uitdelen aan de 3 beste kandidaten.
De winnaar verdient 5 punten, de runner-up 3 punten en de derde plaats krijgt 2 punten. De kandidaat die tijdens de slotshow het meeste punten weet te verzamelen, is de winnaar van de eerste Boss 9 editie. Mais ce n'est pas tout. Lors de nos 5 premiers challenges, les experts vont également pouvoir distribuer des jetons à nos candidats. Grâce à ces jetons, ils vont pouvoir se construire un stack pour une future partie de poker, au cours de laquelle ils s'affronteront les uns les autres. Ils débuteront tous avec un stack de 10 000 jetons. Mais grâce à nos différents défis, ce stack pourra grimper jusqu'à 50 000 jetons. Où et quand aura lieu cette partie de poker, nous vous le dévoilerons un petit peu plus tard. Alors moi je suis une personne sourde de naissance. J'ai besoin d'être accompagné d'un interprète pour communiquer, sinon je n'ai pas d'accessibilité pour communiquer. Comme vous, si vous vous retrouviez toute seule entendant dans un milieu de monde sourd. Mais je remercie énormément GG Poker d'avoir adapté son accessibilité pour moi, parce que souvent je rencontre ce problème et je suis très heureux de pouvoir participer grâce à ma participation et l'organisation de GG Poker. Et je vois que le monde entendant s'adapte à moi et m'offre l'accessibilité, j'en suis heureux. Ça nous fait très plaisir parce que nous accordons énormément d'importance à ce que le poker puisse rester une discipline accessible à tous et où surtout tout le monde peut prendre du plaisir. Et nous allons tout faire pour que tu puisses profiter pleinement de cette expérience. Alors, à côté de ça, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Yvan. Ça se signe de cette façon. En langue des signes, chaque prénom a un signe particulier et mon nom de famille est Marcius. J'ai 34 ans. Je vis près de Wavre. Pour l'instant, je suis au chômage. Et ma passion, c'est le poker. Ça fait déjà depuis plus de 15 ans. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de participer à ces BOSS ? Parce que dans ce site, je jouais toujours sur PokéStars et des amis à moi m'ont parlé de GG Poker, qui était assez récent pour eux. Ils ont dit qu'en Belgique, c'était assez intéressant, donc je me suis inscrit et très rapidement, j'ai passé les qualifications et j'ai réussi à accéder à la table finale, donc j'ai hâte de voir la suite. Et justement, comment tu l'imagines la suite ? Je suis vraiment dans l'inconnu, je pensais déjà pas que j'allais être qualifié. Avec ce résultat de qualification, je suis très étonné. J'attends de voir quelle sera la suite, mais je suis quand même très fier de moi. Montrer au monde qu'une personne sourde peut accéder et qu'il est capable autant qu'une personne entendante, donc je suis assez fier d'être là. Je m'appelle Luigi, j'ai 27 ans. Je viens de Binge à la base et j'habite Courcelles. Voilà, je joue au poker depuis que j'ai 13 ans. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette campagne des BOSS sur GG Poker ? Tout d'abord, le fait que ce soit uniquement réservé aux Belges, j'ai trouvé ça appréciable, qu'on puisse jouer avec des gens qu'on joue d'habitude en live. Et alors ensuite, je vous avoue que le Saint Graal qui va après ça, quoi. Envie d'aller chercher le contrat. Exactement. Ik ben Simon Belille, 30 jaar, afkomstig uit Maldegem. Ik werk sinds een vijftal jaar in een verpakkingsbedrijf op de salesafdeling. Behalve dat heb ik dus één grote passie in het leven en dat is pokerspelen. Ik doe dat nu sinds een jaar of 15, waarvan de laatste 5 jaar meer intens. Waarom heb je juist GG Poker gekozen of hoe ben je erbij terechtgekomen? Ik ben er eigenlijk bij terechtgekomen via sociale media. Had ik gezien dat België na lange tijd eindelijk een nieuwe pokerroom had waarop je online kon spelen. En dan heb ik ook niet getwijfeld en mij direct ook geregistreerd daarop. Wat verwacht je nog van de komende afleveringen? Ik zit eigenlijk vol spanning af te wachten. Ik weet niet wat er allemaal op mij afkomt en ik heb er heel veel zin in. Vous l'avez compris, ce challenge Boss 9 vous réserve de nombreuses surprises. Et je commence déjà à vous en dévoiler quelques-unes. Sachez que dans les prochains jours, tous nos candidats vont passer au studio GG pour des sessions de stream. Deux fois en tant que joueur et une fois en tant que co-host, accompagné de JM ou Johan, l'un de nos hosts officiels du studio GG. Johan et JM vont évaluer nos candidats et leur attribuer des jetons. Ils tiendront compte de plusieurs critères. Non seulement, bien sûr, de leurs compétences techniques au poker, mais ils observeront également s'ils ont été capables ou non de vous faire passer une bonne soirée à vous derrière votre écran. Je m'appelle Patrick VSB, je suis le tenancier, on va dire, président du club Facebook Les Frontaliers. J'ai 55 ans, je suis papa de 2 filles jumelles et je vis sur Laeken. Mon métier, je suis couvreur. Alors est-ce que tu peux me dire ce qui t'a convaincu de participer à ces BOSS pendant cet été ? Mais il faut dire que j'étais un joueur principalement sur un club, on va dire concurrent. Et des amis m'ont fait découvrir GG Poker. Je me suis inscrit sur GG Poker
et j'ai vu les événements qui se préparaient. Je me suis inscrit et la chance a fait que je suis là ce soir. Et j'ai eu des contacts avec GG et ça fait que depuis lors, je me consacre sur GG. Parce que c'est un truc qui m'a plu. Et... voilà, c'est comme ça que je me retrouve ici, on va dire. Et qu'est-ce que tu attends de cette finale? Comment tu l'imagines? On est un peu ici pour l'instant un peu à la découverte parce qu'on se demande ce qui va se passer. Et j'ai rencontré des joueurs, j'en connaissais, on va dire un, que j'ai rencontré à l'étranger. Et je me suis un peu renseigné, comme j'ai dit là tantôt. Pour moi, ce sont des joueurs, on va voir, c'est pour moi chacun sa chance. Si on est 9 sur 500, pourquoi pas moi? Je m'appelle Gola, j'habite dans la région de Mons, j'ai grandi à Charleroi. Je suis papa d'un petit garçon qui s'appelle Santiago, qui est un ange. Et voilà, on est bien heureux dans notre famille. Alors tu as réussi à te qualifier pour cette finale sur GG Poker. Mmh. Est-ce que tu peux me dire, pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre GG Poker et les autres plateformes de poker en ligne? L'offre, pour le moment, est supérieure aux autres. Et j'ai eu un bon feeling depuis le premier jour avec le site. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ces Boss 9? Parce que c'était quand même beaucoup de tournois, ça a duré longtemps. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer? J'ai participé au premier tournoi qui s'est très bien passé. Et je me suis dit pourquoi pas continuer l'aventure avec les autres tournois. Et au final, je ne le regrette pas. Ik ben Thomas Schuring, ik kom uit Temse, ik ben 35 jaar. Ik ben werkzaam als instructeur zwaar vervoer, dus ik leid daarbij mensen op om de vrachtwagen te leren rijden. Daarnaast probeer ik ook veel tijd te maken om mijn hobby nog te oefenen, is poker. Dus op recreatief niveau vooral. En ik hoop iets verder in te geraken op termijn. Zeker. En hoe ben je juist bij GG Poker beland? Ik ben eigenlijk sinds de lancering van GG Poker overtuigd geraakt van het concept. En ik heb mij meteen ook geregistreerd om eens te testen van hoe loopt het daar op die website. En het bevalt wel. Wij hebben met GG Poker een pokerteam. Wij zijn er al een jaartje mee op pad. En voor 2023 hebben we besloten dat er nog een plaatsje vrij is in dat team. Daarvoor hebben we dus een wedstrijd opgezet. En ikzelf zal samen met drie collega's vrienden een jury voorzitten, waarbij dan wij de kandidaten eigenlijk op de roster gaan leggen om te zien wat dat hun match kan zijn met het mogelijke GG Poker Team. Talia zal ook een jurylid zijn. Talia is iemand dat ik al een tijdje ken. En zij is eigenlijk de host van Radio Stad, een van de toonaangevende radio's uit het Antwerpse. En zij is ook wel influencer. Ze is zeer actief op social media, vooral op Instagram dan. En iemand die in het GG Poker Team komt, moet ook wel een zekere présence hebben. Dat is iemand die dat zichzelf moet weten te verkopen, die dat goed moet kunnen praten, die dat goed moet kunnen interageren met andere mensen. En Talia gaat een beetje in het oog houden of dat iemand is met die mediaskills. Oké, okay, leuk. Ook Matthias de Mulder zit in de jury. Klopt, klopt. Matthias is eigenlijk voor twee redenen geselecteerd voor de jury. Enerzijds is Matthias nu al lid van het GG Poker Team. Dus als er een nieuw lid komt, vinden wij het toch niet onbelangrijk dat er ook voldoende chemistry is in het team. Ze gaan samen veel op pad moeten gaan. Ze moeten een beetje op elkaar ingespeeld zijn. Ze moeten elkaar eigenlijk vaak tegenkomen, zowel aan de tafels als buiten de tafels. Dus dat is belangrijk dat ze elkaar kennen. En anderzijds kunnen we er uiteraard niet omheen dat Matthias een van de betere pokerspelers is in ons land. En hij gaat natuurlijk proberen de kandidaten zo goed mogelijk te screenen in zaken pokerskills. Ja, uiteraard. En nog misschien een iets onbekendere naam, Yves Braakman. Yves is eigenlijk een collega slash vriend. Wij kennen elkaar al meer dan 10 jaar. En het is eigenlijk mede dankzij Yves dat ik zelf in de gaming sector actief ben. Omdat Yves heeft gewerkt voor verschillende toonaangevende internationale gaming brands. En ik heb hem graag bij in de jury voor een beetje de serieus van de kandidaat in te schatten. Op welke manier gaat de kandidaat of de winnaar dan in kwestie kunnen bijdragen aan de meer zakelijke doelstellingen van GG Poker eigenlijk. De kandidaten zullen flink hun best mogen doen om deze jury te overtuigen. Les candidats se sont tous présentés. Vous avez découvert notre première épreuve et l'équipe de production est prête. Pour ce premier challenge Boss 9, nos candidats vont être directement jetés dans la fosse au lion pour l'entretien poker de leur vie.
Ons rest enkel nog de kandidaten zeer veel succes te wensen en jullie uit te nodigen voor de volgende afleveringen van Bos 9.